Et voilà. Ça m'a l'air déjà plus acceptable comme ça. Oui, c'est un jeu payant. Alors vous allez voir, c'est un jeu plutôt sympa. Je viens quasiment tout juste d'en entendre parler en fait. Mais c'est un peu un jeu à la Castlevania, vous allez voir, avec vous gérez un petit personnage. Et vous allez voir qu'en fait chacun de vos personnages seront aléatoires, mais ça on y viendra plus tard. On va découvrir un petit peu toutes les mécaniques du gameplay ensemble. Là, pour l'instant, on apprend juste à attaquer, si en soit pas si difficile. On récupère pas mal de pièces d'or, etc. Bah, des objets de soins apparemment, mais je vois pas trop où est notre barre de vie. Si on en a une pour l'instant, je sais pas trop. J'avais pas fait un live sur un jeu qui ressemble à ça. Tu parles peut-être de un épique, sans doute, mais... Ah oui, maintenant il y a une attaque vers le bas, comme ça, qui permet d'activer des passerelles. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'aléatoire, là c'est le tutoriel. C'est le tuto. J'ai tapé le roi, c'est normal. Ok, d'accord, donc on peut commencer notre partie. C'est juste pour nous apprendre ça en fait. Demi, level 2, il y avait marqué. Bien essayé. Pourquoi tu fais ça? Poupée d'entraînement. En fait, il change de truc. Ça fait mal, ouch. C'est trop con. Alors, vous allez voir, les niveaux sont gérés aléatoirement, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez jouer, vous allez avoir une partie tout à fait différente. Alors, on peut utiliser un téléporteur. En fonction de si on a débloqué des téléporteurs, on peut aller à d'autres téléporteurs à mon avis. Je vais regarder la carte n'importe quand avec le select. Journal numéro 1. Trahison, un assassin. Un assassin a blessé mon père, le roi. Pour ramener l'ordre au royaume, il a envoyé mes sous-fivres, je sais pas ce que c'est, siblings. Et moi-même, dans une quête pour le sauver. Ensemble, nous allons nous aventurer dans les bois maudits et rentrer dans le château de Hamson. Le château maudit s'est tenu là au bord des bois depuis des temps immémoriaux. Mais les rumeurs disent que dans ces... Enfin, en gros, au cœur de ce château... il existe un objet qui pourrait soigner n'importe quoi. Ce soir, je quitterai mon frère et ma soeur. Et je partirai dans ma quête pendant qu'ils seront endormis. Échouer à cette quête serait... serait une honte à mon nom. Voilà. Bref. What? Merde. Fail. Ça commence bien. Ah, mais ceux-là, ils sont même pas...
Comment dire, ils sont même pas... même pas les repousser en les attaquant. Je vais aller voir d'abord là-bas avant de m'aventurer plus loin. Vous allez voir, c'est un jeu un peu à la Castlevania, c'est-à-dire qu'il faut quand même du skill pour y arriver. J'ai déjà quasiment plus de vie, ça va être un truc de fou. On n'est pas au bout de nos peines. Surtout que ces foutus tableaux sont plutôt chiants à voir. Lui c'est un faux lui. Je le savais. Merde. Je peux même pas avoir un peu de vie là, s'il vous plaît. Ah, je vais crever déjà. Putain, filez-moi de la vie, je vous en supplie. Je peux même pas aller là en haut. Il y a des mobs, mais je peux même pas m'y transporter. C'est bloqué. Voilà, il faut que je fasse gaffe à ça. Ah yes, ouf, j'ai rechopé de la vie. C'est pas encore ça, j'en ai plus beaucoup. Un carnaval, what the fuck? Hey, salut toi! Voyons comment tu es... comment tu as de bons skills. Tu as seulement le droit à un seul tir. Mais tu es... tu es libre de charger. Tu es libre de... free of charge, c'est-à-dire c'est gratuit, quoi. Tu n'as qu'un seul tir, mais c'est gratuit. Si tu réussis, je te donnerai une superbe récompense. Tu as 5 haches pour détruire autant de cibles que possible. Laisse-en moins de 10 de... Fais en sorte qu'il en reste moins de 10 et je te donnerai un prix spécial. Alors, bah, je vais essayer. En gros, voilà. Et maintenant, je fais comment pour utiliser les haches? Comment je fais pour utiliser ces TH, mec? Eh merde, d'accord. Oh non, c'était là-bas! Hé hé, merde. On est combien? Non, si j'avais su, j'en aurais eu assez. On peut pas recommencer? Pour de l'argent, au pire. Attendez, je peux pas recommencer? Sérieusement? Fuck! Oh non, trop con! Je sais même pas comment ça fonctionnait. Bon, ouais, tant pis, je saurai pour la prochaine fois. Alors, vous étonnez pas si on meurt, ça fait partie du jeu, on va dire, en quelque sorte. Waouh! What the fuck? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ah! Ah! Oh mon dieu! À chaud quand même! Sirli a été vaincu par un Flamelock. La vie est un élément important à augmenter. Voilà. Et maintenant, hop, vous pouvez passer à quelqu'un d'autre. Vous avez des nouveaux descendants, voilà. Maintenant que vous êtes mort, par exemple lui, là, je sais plus, Naki était mort. Vous pouvez choisir quelqu'un d'autre, en fait. Alors, vous avez plein de trucs, en fait, ils ont des... comment dire, ils ont des... vos descendants, en fait, sont tous différents, vous voyez, ils ont tous des skins différents, par exemple, lui, il y a des cornes sur son casque, etc. Mais surtout, en fait, la chose, c'est que... ils ont tous des classes différentes, et... autre que ça, ils ont des maladies spéciales. Par exemple ici, lui, il est hypergonadisme. Hypergonadisme, je sais pas, ça veut dire il devient une meuf un peu, peut-être, elle est gonade.
Ambilevous. En fait, par contre, le problème, c'est que je sais pas parce que c'est en anglais. Et j'ai du mal à connaître le truc. Mais par exemple, lui, il est électrophobe. Électrophobe, pardon. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Celui-là me dit bien avec l'épée, là. Sinon, il y a Sir Lancelot, Sir Priscilla. Lady Priscilla, ah, c'est carrément une meuf. Et Lady Faye, ben on va prendre une femme barbare. Et voilà donc un nouveau descendant. Alors maintenant, on peut débloquer des trucs pour augmenter un château, en fait, j'ai l'impression. Voilà, débloquer le forgeron et ayez accès au fat loot, je sais pas quoi. Voilà, bref, je viens de débloquer un truc pour mon château avec un forgeron. Le forgeron peut créer de l'équipement... Enfin, l'équipement le plus fin de tout le... L'équipement le plus raffiné, on va dire, de la planète, du monde. Vous transformant en un... en un véritable... Virtuous Violent Villain Vaporizer. Bref, je vous laisse traduire ça. Hein. Mais en gros, on a un gros bourrin. Rassembler des blueprints. C'est quoi des blueprints, comment on pourrait traduire ça? Je saurais pas comment dire. Bref, on peut ramasser des trucs pour lui. Qui pourra lui augmenter en fait tout l'assortiment d'armes qu'il pourra nous fabriquer. Alors. Increase your mental fortitude in order to increase your mana pool. On peut augmenter notre mana et là on peut augmenter notre vie avec de l'argent. Et là, grâce à notre vie augmentée, on peut transformer nos guerriers en... nos chevaliers en paladins. Et on peut bloquer des dommages. Ça, c'est pété, par contre. Donc, grâce au paladin, on peut bloquer des attaques. Ah, c'est plutôt cool. Putain, je sens que ce jeu va être en fait complètement épique. Et là, on peut augmenter notre quantité d'items à porter. Pour ah non, c'est même plus encore que ça, en fait, c'est notre poids qu'on peut porter en fait pour pouvoir porter des armures plus lourdes. On va surtout augmenter la vie en fait pour l'instant. Voilà, hop. Et on a débloqué encore des trucs. Vous pouvez débloquer l'enchantresse et avoir des trucs magiques, et après pour l'instant on n'a pas encore assez d'argent. Et l'architecte qui permet de qui permet de fermer à clé le château. Voilà. Alors peut-être qu'on peut se faire dérober des trucs dans notre château, je sais pas trop comment ça fonctionne, je vous avouerai. Bienvenue héros. Peut-être tu peux m'aider. J'étais le plus grand forgeron des plaines. Mais un jour, les monstres de ce château ont attaqué ma forge et ont piqué mes blueprints. Je sais pas ce que c'est les blueprints. Hein. Sans ces blueprints, je peux seulement faire des... la petite coutelaille et des trucs tout pourris comme ça. En gros, des couteaux ou des trucs tout pourris. S'il te plaît, ramène-moi mes blueprints que tu trouves. Et je pourrais te fabriquer des armes complètement ouf. Les trucs les plus stylés de la Terre que t'as jamais vu. Jamais. À un prix, bien sûr. Donc par exemple, là, on peut lui acheter... hop. Augmenter les dommages de notre arme. Avoir des éléments d'armure que pour l'instant, on n'a même pas pu acheter encore. On n'a pas assez d'argent. Donc bref, en gros il faut farmer pour pouvoir aller de plus en plus loin dans votre château tout pourri. Qu'est-ce qu'il a lui? Vous devez payer la taxe. Sharon, all your money on Hunter the Castle. Ah merde, en fait à chaque fois, tu dois... D'accord. Tu dois redonner tout ton fric pour rentrer dans le château. Ah les enculés en fait. T'as vu de farmer assez avant de crever pour pouvoir t'acheter des trucs.
Et tous les châteaux, pardon. Merde, j'ai pas de bouclier en fait, donc du coup je peux... Oh, what, ça a l'air super chaud. C'est plutôt hardcore comme truc apparemment. Ils sont sans pitié, j'ai l'impression, avec vous. Vous prenez des dommages, vous prenez des dommages, et puis voilà, c'est tout. Je sais déjà pas de quel côté partir maintenant. J'ai bien envie de partir dans les limbes. Ouh, j'ai trouvé 100 d'or là, direct. Il y avait pas mal de trucs dans le fond. Oh putain, je suis con, pourquoi je suis descendu maintenant, moi? Ouah, il y a des trucs en bas! What the fuck? Oh, je suis pas allé au bon endroit, là. Oh, je suis allé dans la mauvaise salle, là. C'était quoi, cette salle de malade? Lady Fay a été tuée par un chevalier corrompu. Vous pouvez prendre des orbes de conflux après les avoir un. Ah non, évitez de prendre les orbes de conflux après avoir lancé le sort pour maximiser les dommages. Ouais, bref, j'ai pas trop compris. Oh god! Alors on a à nouveau une barbare, on a une paladine. Voilà, des paladins, ça je veux. Maintenant, je peux bloquer les attaques avec les paladins. Ça, c'est important, ça. Alors, Lady Chun-Li, voilà. Chun-Li, c'est pas mal. J'aime bien le nom. Sinon, il y a Sir Dude. Monsieur Mec. J'avoue, c'est It's a Trap, quoi. Mais complètement. Alors, est-ce que je peux augmenter des trucs? Genre la vie encore un peu? Non, même pas. Ah, j'ai assez pour... hop. Pour me créer un architecte. Je sais pas à quoi il va servir, cet architecte, mais... L'architecte peut fermer le château et l'empêcher de changer. Vous aimez la... Comment dire? La forme ou la... Ouais, c'est ça, on peut dire la forme de votre château. Bloquez-le. Soyez juste sûr que vous pouvez vous payer ses frais. Là, j'ai vraiment pas assez pour m'acheter quoi que ce soit d'autre. Donc c'est mort. Est-ce que chez lui, on peut s'acheter quelque chose? On pourra jamais s'acheter quoi que ce soit. Alors là, normalement... Voilà, là, je pourrais bloquer des attaques. C'est déjà beaucoup mieux. Salut, les enfants! Vous voulez savoir un truc? Je suis fou! Se lever ici! En tirant simplement dessus, tu peux empêcher le château de changer. Ah oui, voilà, d'accord, j'ai compris maintenant. C'est ce château-là, si vous aviez aimé un château dans lequel vous étiez, vous pouvez l'empêcher de changer, en fait, et revenir de là où vous étiez, et voilà. Et celui-là, je vais le changer parce qu'il avait l'air plutôt hardcore. De cette manière, vous pouvez aller exactement... faire exactement ce que vos ancêtres avaient fait avant vous. Impressionné ? Vous devriez l'être. Comment j'ai construit ce truc fantastique, contraption, je sais pas comment dire. Avec de la science, bien sûr, et de la magie. Surtout de la magie. Et mes capacités ne sont pas gratuites. Merde, j'ai pas fait exprès. Do you want to lock the castle and get only 70% Vous pouvez que avoir 70% du gold que vous trouvez en fait après. Bon allez, on va tenter de pas mourir comme des grosses daubes. Mais par contre, y a peu de monde qui parle sur le chat, on est 14 mais y a personne en fait. Oh putain, j'avais même pas capté, y'a un shuriken de merde. Putain, c'est dangereux ce truc. Wouhouhou! Mais what the fuck, c'est super chaud à éviter. Ah, c'est vrai que j'ai mon bouclier, moi je suis con. Faut que je m'en sers plus souvent de ce bouclier. En tout cas, c'est un jeu qui a du challenge, hein, ça. Vous pouvez me croire. Eh merde, je pensais pas qu'il allait me toucher d'ici. Il tire super vite.
ce merdier. Putain, les donjons sont faits aléatoirement, mais bordel, qu'est-ce qu'ils ont de la... Ils sont bien gérés, hein, on va dire, ils sont gérés aléatoirement, mais ils font pas de la merde, ils vous font des trucs super chauds, quoi. Oh putain. Oh putain. Oh putain, c'est quoi qui me tire dessus? Oh merde, et des yeux dans le truc. Chaud. Chaud. Je vais déjà crever, mais c'est super hard. Vite de la vie, quoi. Oh my god. Je m'en fous des MP, moi je veux de la vie. Donnez-moi de la putain de vie. Comme c'est hard, sa mère. Je peux pas attaquer comme ça. Ouais, en gros ici on était dans la mauvaise salle. On peut même pas passer les... Ah, il y a peut-être des secrets en fait, d'accord. Je pense comprendre. Ah, y'a un téléporteur. Ça m'emmène où ce truc? En dehors du château. Ah oui, de la vie. Même si je me fais toucher une fois, je l'ai quand même dans le cul. Parce que y a un endroit où je peux me soigner en fait, tout simplement. Je peux pas me soigner en revenant ici? On va retourner là-bas. Oh mais putain, ils vous prennent par les deux côtés, j'aurais dû sauter par-dessus. Oh, super hardcore. En fait, c'est du gros Dion Retry où vous devez au fur et à mesure améliorer votre château et tout ça. Et je pense pas utiliser mon arme spéciale aussi, il faudrait que je pense à faire ça. Barbarian, un mage. Tiens donc. Endomorphe. OCD. Bon, ils ont des maladies, comme je vous disais, vous allez voir. Ça doit être la consanguinité, tout ça. Non, je peux même pas m'acheter ça, quoi. Je peux rien m'acheter. Si, je peux débloquer l'enchantresse. Tout ce que je peux faire. Ou de la mana, mais je vais augmenter d'abord l'enchantresse. Voilà. Comme ça on peut augmenter tout ce qui a trait à la magie. L'enchantresse peut rendre votre corps plus puissant avec des runes magiques, vous rendant meilleur, plus fort, plus rapide et vous pouvez sauter plus haut aussi. Trouver des runes pour augmenter son répertoire de modifications corporelles. Sa boule de cristal, c'est juste pour le show, ils disent. Allez. Putain, c'est super chaud. Bonjour, musique, ça va? Musique répond, mais je suis pas obligé de vous répondre si vous me dites bonjour. Je dis bonjour, mais je suis obligé de dire bonjour à tout le monde, encore heureux. Mais bonjour. Oh, shit. Bon, allez. Maintenant j'ai un vieux barbu, normalement ça devrait le faire. Il devrait avoir de l'expérience. Eh, je gagne 1 MP par attaque en faisant ça. Mais putain, c'est n'importe quoi, what the fuck. OMG quoi. Il doit y avoir des techniques que je ne connais pas pour... Ouais, il a beaucoup de vie lui. Je suis déjà mort, mais what the fuck, il a pas d'HP ou quoi? What? Woot. Allez, il me faut un paladin là, ça sera quand même mieux. Sir Kenny the Knave. Hyper gonadisme aussi. Ouais, tant pis, un paladin. Je connais pas trop les attaques spéciales, il faut que je gère ça.
Putain, ça va être super hardcore. Salut, guerrier ou héros. Est-ce que je pourrais emprunter votre attention un petit moment, on va dire. J'ai besoin de votre aide. J'étais une enchanteresse très forte à l'époque. Mais un jour, les monstres de ce château ont envahi mes rêves et m'ont volé mon savoir. Ils ont enfermé ce savoir dans des runes, et sans ces runes, I suck at my job. Je crains à mon boulot. Je fais mon boulot très mal, en gros. S'il vous plaît, héros, si vous trouvez des runes, ramenez-les moi. Et ensuite, je vous les revendrai à ton profit. Donc voilà, là, elle peut augmenter votre truc. Par exemple, là, j'ai chopé par exemple des runes. Et si j'ai assez d'argent, hop, je pourrais dasher tout ça. Donc en fait, c'est important de gagner assez d'argent à un moment donné pour pouvoir gagner au fur et à mesure des nouveaux pouvoirs. Alors. Excusez-moi. Voilà, ça c'est fait. Musique, ça te dit rien, t'es allé à la Japan Expo? Non, je ne vais pas à la Japan Expo. C'est beaucoup trop loin de chez moi. J'ai pas de quoi aller jusqu'à Paris, mes petits amis. Ah, peut-être qu'on va avoir le droit enfin à un château pas trop hardcore. Je sens pas trop. Oh, putain, il y a des pièges. J'avais même pas fait gaffe à ça. Ouais, mais comment vous voulez les éviter? Ouais, vous faites un. Bah oui, mais je vais te le prendre. La fuc. Putain, mais c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça, tac, tac, tac. Comment vous voulez passer à travers, quoi? Bon, heureusement, j'ai le droit à énormément d'argent grâce à un foutu coffre. Au péril de ma vie, j'ai déjà quasiment plus de vie. Je vais pas passer par là parce que sinon je vais crever trop vite. Oh my god. Oh là là. Oh là là. Ah putain, pourquoi j'ai sauté au-dessus de lui? Fuck. Oh mon dieu, ce jeu de ouf. Il est super hardcore, les gens. Je vous jure, c'est vrai. La vie de ma mère, wesh. C'est quoi ce truc? Y'a un truc à faire ici? C'est juste un tableau comme ça pour le fun. Alors, en haut, y'a un chandelier d'or, mais je sais pas exactement ce que c'est. Ah, mais il se retourne le truc! LOL! Le truc se retourne. Putain, c'est super chaud le début. Je veux pas dire, mais. C'est assez violent. Voilà, on a un mage. Je vais prendre Lady Teresa. Elle a l'air d'avoir des haches, je sais pas comment ça fonctionne, mais ça a l'air pas mal. Magic Damage Up, Upgrade Mage. On va surtout upgrade la vie, ouais. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû payer autant en fait. Upgrade le barbarian, on devient un roi barbare. Appuie Y pour lancer un cri épique. Qui en gros stun un petit peu tous les ennemis autour. Ou qui renvoie les trucs autour de vous. Plutôt en fait. Oh là 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 là. Il va falloir que je m'achète du stuff aussi pour prendre moins de dégâts, je pense. Avec le forgeron et tout ça. Quoi, mon personnage est noir? J'avoue, je me suis fait tellement troll par le canon. J'ai cru que ceux qui gagnaient le tournoi MHRU allaient à la Japan Expo pour la finale entre tous les gagnants. Hey, il fait des paix. Mon personnage, c'est n'importe quoi. Non, c'est la ville qui gagnait, qui avait les meilleurs temps, qui gagnait des passes pour la Japan Expo.
On peut même pas les péter ces trucs en fait. On peut juste les éviter. Bon allez, tentons de nous concentrer. Oh là, ça va être super chaud à monter là. Oh genre je me suis fait toucher, je voulais... Ouf, hardcore. Oh oh oh, c'est plutôt hard hein. Ils sont pas gérés comme de la merde hein, c'est... Ces trucs, c'est bien foutu. Le roi s'engole en espérant que j'arrive assez loin pour choper assez d'argent maintenant. Wow, chaud. Ah là j'ai gagné pas mal là. Putain, il y a des pièges partout. C'est fail. Putain, c'est vachement pervers comme truc hein, c'est abusé. Non, pas des magiciens. Pas des magiciens avec des boules de feu. Oh putain! Merde. Oh là là. C'est trop chaud. Vous allez que faire m'entendre dire ça, mais je sais pas si vous avez vu un peu comme c'est hard. Oh là là! Oh là là, c'est n'importe quoi! Ah là, je vais même pas chercher à prendre les objets. Je vais aller le plus loin possible. Putain, il est énorme, lui. Oh. Waouh, waouh, waouh. Par contre, j'ai gagné pas mal d'argent, je crois. Enfin, j'ose espérer. Putain, c'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur. Ce jeu de ouf. Paladin, je sais pas ce qu'il a comme sort. Faudrait que je regarde. Il envoie un chakram en fait. Vers je ne sais trop quelle direction. Juste augmenter la mana pour voir un peu ce que ça débloque. Rien de spécial en fait. Putain, j'ai gagné plein d'argent là par contre. Vous pouvez upgrader les mages pour les transformer en arc-mage. Faut que j'aille m'acheter du stuff, ouais, je vais garder mes thunes pour acheter du stuff, effectivement. Est-ce que j'augmente... Merde, j'ai augmenté ça, mais j'aurais dû augmenter surtout de quoi avoir de la défense. Plus de vie, plus de mana, vous voyez. Par exemple, le casque. Ça donne rien, ça augmente la magic, on s'en fout. En gros, il me faut un casque, surtout. Voilà. Mais je sais pas si c'est temporaire, en fait, si vous crevez, si vous perdez vos items. Oh là 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 là. Ce jeu de malade. Pour MHRU, c'est Paris qui a gagné le concours. Ceux qui ont fait les meilleurs temps au total. Alors bon, pour l'instant celui-là a l'air simple, il y a un zombie. Bah, je comprends pas comment c'est que c'est aussi chaud, j'arrive même pas à passer deux salles quoi, il faut être super skillé quoi. Ok, ça s'est fait. Ça fait déjà beaucoup plus de dommages. Il m'a l'air déjà plus abordable ce donjon là pour l'instant. Oh putain, ça c'est super relou aussi. Vous le voyez pas venir de si loin. Ah, il arrive à me toucher à travers les murs lui maintenant. C'est nouveau ça. Bon, c'est normal que ce soit super dur, hein, c'est fait. Oh là là, je prends trop cher. Wouhou! Ah, c'est pratique les chakrams, dis donc. Allez, on va essayer de s'en sortir avec la magie qu'on a.
En même temps, c'est pas difficile de gagner à Paris, vu qu'ils sont beaucoup plus que nous, hein, dans la capitale. Nous, on n'a pas énormément de gens qui participent. Tout simplement, donc c'est sûr, c'est pas difficile pour Paris de gagner, hein, c'est évident. Oh putain, t'as tous les sous qui tombent là en bas. Ah, j'aurais pas dû sauter. J'aurais dû tenter de... Ah, un coffre par là. Ouh, allez. Il reste des pièces par là. Merde. Elles vont disparaître. Ah, un téléporteur. Ah, c'est vrai que si je débloque, à mon avis, si je garde le... Si je garde le château tel quel, en fait, je pourrais revenir en prenant le téléporteur, en fait. Tout simplement. Ouais, on joue dans un nouvel... Ah, putain ! Oh là là, c'est quoi cet endroit ? Ça a l'air complètement pété. Oh my god! Ça a l'air déjà beaucoup trop pour moi, ça. Oh oh! Oh là 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 là! Trop difficile! Mais je m'en suis pas trop mal sorti sur ce run là. Allez. Un barbare coprolalia endomorphe. Un mage endormoff hypochondriaque. Ah, il peut arrêter le temps lui, ça peut sûrement péter. On va prendre les haches, c'est bien ça. Je veux. On va aller s'acheter du stuff encore. Ou je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait débloquer, tiens. Pour aller upgrade de 3 trucs. Upgrade le barbare par exemple. Unlock the Shinobi, the Fleetest Fighter. On peut débloquer le Shinobi après. J'aurais peut-être assez d'argent pour me utiliser une rune sur mon perso. 75 pour apprendre le dash. Voilà, et maintenant je peux dash. Pété, je peux dash. Il a l'air plutôt d'avoir la classe, lui, en tout cas. Mon nouveau barbare. En fait, c'est plutôt hard comme jeu, hein, franchement. Je sais que je me répète, mais... En même temps, c'est totalement vrai. Il faut avoir du skill. Franchement, c'est pas un jeu pour les noobs. Merde, putain, je voulais pas descendre tout de suite. Mais, ah! Oh non, j'ai perdu la moitié de ma vie pour rien! Comme c'est trop moche. Eh, y'a un jukebox ici. Skin of my teeth. Vas-y, on va mettre une musique de bâtard. Ah merde! No! En fait, je crois qu'ils ont raison, il faut vraiment augmenter la vie beaucoup, hein. En priorité, je pense. Il faut vraiment rester concentré, mais tout le temps. Voyons voir un peu ce qu'elle propose comme autre truc, elle. 350.
permet de sauter dans les airs. Et c'est plus ou moins tout ce que j'ai débloqué d'autre. Ça coûte 200. Bon, on essaiera de lâcher dès qu'on peut. Putain, comment je passe là? J'ai oublié de passer. Ouh, j'ai failli me faire toucher. Oh, le tableau, it's a trap. Quoi, 2000? Ah non, il m'a touché deux fois en fait. Non mais là, comment voulez-vous traverser ce truc en fait? Le machin, il vous... Je sais même pas si on peut les casser, ces monstres. Enfin, ces trucs. Ah, il y a un tableau, c'est un faux. C'est sûr et certain, déjà. Oh là là, genre, je me suis pris, quoi. Il faut vraiment rester concentré, mais 100% dans ce jeu. Vous n'avez jamais le droit à l'erreur. Merde. Voilà, ça c'est fait. Et merde, j'ai perdu la potion. Perdu la popo. Oula, ça c'est un coffre magique ça. Il faut une clé spéciale pour l'ouvrir. Richesse defeat all enemies. Mais où ça? En dessous, dans la salle d'en bas? Impossible. Tu es tous les ennemis de où? De la salle qui est là à gauche? C'est impossible. Ah, il veut que je tue les ennemis qu'il y a là-bas, mais je sais pas comment y aller. Ah, on peut dash dans les airs aussi. Oh là là, oh là là, oh là là, je vais crever. Oh là là. Oh là là. Pff. Comment je voulais faire? C'est tellement hardcore ce jeu. J'arrive même pas à trouver de... Oh là, j'ai un géant là. Et un nain aussi. Il a Alzheimer et il est nain, le pauvre. Hey, il y a de Lady Chun-Li 2 avec de la barbe, n'importe quoi. Il y a des passages secrets qu'on peut prendre avec les nains. Bah, je vais tester ça alors. On va voir le nain. Putain, mais c'est hardcore. C'est hardcore. Mais par contre, les nains, ils tapent pas très loin, en fait. Ils ont une portée de merde. Ils ont une bonne grosse portée de merde. Alors, je vous préviens, en fait, cette semaine, comme je vous ai dit, comme je serai pas là ce week-end, à partir de jeudi, je serai pas là, en fait, je vais faire une semaine blanche. Vous aurez pas vraiment de let's play. Par contre, je vous ai préparé des petites... Oh, putain, mais il est trop rapide. Par contre, je vous ai préparé des petites vidéos spéciales, théoriquement. Oh là là! Mais tu vois même pas arriver, lui! Oh mon dieu! Eh, Fusrado! Oh, c'est n'importe. Ah, c'est vrai que lui, il m'attaque comme ça. Poussera d'eau. N'importe quoi. Deuxième journal.
Même si je suis le plus vieil enfant, je suis pas le favori de mon père. J'ai toujours su qu'il avait planifié de rien me laisser. Mais si je trouve un remède, tout changera. La victoire, ah non, le victor, je sais pas quoi, gagnera rien de moins que le trône sur son passage. Avec mon ascension, ma femme et mes enfants déménageront à nouveau dans les quartiers royaux. Et de retour à la ville royale où nous avons autrefois. Ah non, nous serons encore une fois traités avec le respect que nous méritons. Plus jamais nous. Le gossip, je sais plus ce que ça veut dire en anglais. Bref. Les autres ducs se courberont lorsque nous passerons. Bref. Je vais garder mes priorités claires. Conquérir le château, trouver le remède et récolter mes récompenses. Bref, voilà un petit peu pour le background. Vous me direz qu'on s'en fout et vous aurez raison. Eux ils sont bidons les chevaliers, mais c'est pas les chevaliers qui sont casse-couilles en fait. Voilà, tiens, bouge ça toi. Tu peux pas me taper toi? Voilà, ça c'est fait. Hey, ah merde, putain, je lui ai foncé dedans, quel con. Heureusement, j'ai trouvé de la vie. Mais ça, il pourrait donner un peu plus de vie quand même, parce que... Bon, ça, c'est un faux tableau, j'ai pas très envie de le tuer, perso. Voilà, il y a plein de coffres, ici. Ah, j'ai trouvé un blueprint. Génial. Il y a un boss ici. Oh yes, il y a un boss. On va tenter un boss. Mes petits amis, je pense pas qu'on va y arriver, mais... Oh, c'est trop chaud. Il a trop de vie. Comment vous voulez tuer un truc pareil? Oh my goodness! Impossible! Impossible! Je sais pas si vous connaissez ce meme, mais c'est un peu ça. Si vous voyez ma gueule en ce moment, c'est ça en fait. Impossible! Sir Maïs 2, le paladin. Putain, c'est quoi ça? Il a une arme bizarre. Stereo blind. Tiens, on va tester la faucille pour voir un petit peu. J'ai 320, je vais aller voir chez le forgeron si je peux m'acheter l'armure de plate ou je sais pas quoi. Plus 9 d'armure. Il me fallait 350, putain, la nerf. Attendez, je vais regarder si je peux prendre l'habileté de sauter plus haut ou je sais pas quoi. Ah, il me faut 350 aussi, putain. Faut tout 350 sauf ça, 200. Ah, la gueule que j'ai, quoi. En plus, c'est chiant qu'on doive laisser son argent à chaque fois qu'on rentre dans le château, quoi. Prendre la vie musique, ça coûte 320 au château, je crois. Ouais, mais... Où est-ce qu'on peut prendre de la vie au château? Elle fait quoi cette...
Ça envoie deux trucs comme ça, à moitié à la rage, je sais pas trop où, dans tous les coins. Oh putain, y'a l'autre qui me touche à travers les murs, mais allô quoi. Et lui, il meurt pas en deux coups? Depuis quand? D'habitude, il meurt toujours en deux coups. Putain, j'ai déjà plus de vie. Ah, mais il faut que j'utilise de la magie, c'est un mage, c'est ça. Oh putain! Ah, mais ça, il faut que. Ça, j'avais pas fait gaffe, mais il faudra que j'y pense. Ah, ça, bon, de toute façon, je peux rien mâcher du coup là. C'est même pas la peine d'y penser. On va prendre un palouf. Ce jeu est trop ouf. Mais il est plutôt pas mal, moi j'aime bien, mais. Putain! Si vous voulez vous détendre, vous allez là-dedans, ça prend pas du tout la tête, vous crevez, vous en foutez. Et surtout, ça vous apprend à avoir des skills, du skill en haut. Au fait, ça va la qualité du live? Yeah, c'était quoi ce poulet? Putain, j'ai gagné un défi, enfin. Oh là, il y a plein de trucs là. C'est pas normal, ça sent le truc difficile qui va arriver par la suite. Il y a trop d'objets là. Des objets trop facilement gagnables. Putain, on est plutôt bien lotis là, niveau... Niveau objet et tout ça, et niveau mob. On a plutôt de la chance là, on risque de faire un bon run, là. J'ai déjà 450. Et les ennemis sont même pas durs. C'est ça le pire. Reach me in one time. Ah, il fallait se dépêcher. Comment on peut y aller? Passage secret, mais je vois pas trop comment. De toute façon, c'est fail. Fallait l'atteindre du premier coup, mais j'ai pas capté. Il y avait de toute façon pas de. Alors, lui, j'ai même pas eu le temps de le voir. Ah putain, il m'a attaqué. Mais je suis pas mal là, je suis quasiment full life. Putain, d'habitude. Mais. Waouh. Il m'a drainé mes MP. Mais putain. Arrêtez d'être casse-couille là. Voilà. Oh mon dieu. C'était pas easy cela, hein. Je sais pas comment je vais faire avec tout ça là. Je me casse, je passe pas cette salle, c'est mort. Oh, le truc qui arrive par en dessous. Bon, c'est pas grave, on a gagné pas mal d'argent là. Du coup, je sais pas quoi m'acheter. Peut-être aller m'acheter l'armure en fait. Peut-être aller m'acheter l'armure. Un nain avec des couteaux, un truc avec une boule, j'ai pas encore testé la boule en fait. Je sais que c'est un mage, mais du coup on va tester la bouboule. Sinon il faudra tester le shinobi aussi, débloquer le shinobi, j'ai assez pour débloquer le shinobi en fait. Mais on débloquera plus tard le shinobi, d'abord augmenter nos personnages pour gagner plus d'argent.
Ça, on a tous les trucs du forgeron pour l'instant. Là, cette fois-ci, on a un casseur, donc forcément, il a pas beaucoup de vie. J'aurais dû penser à dépenser un truc avant de partir. Oula, j'aime pas ça. C'est complètement pété ce truc. Ça utilise énormément de magie par contre. Putain, il fait tellement pas mal le mage. Oh lol. Et là on peut même pas l'atteindre. Oh c'est tellement bâtard. Genre je me suis fait toucher. What? What the fuck? C'est quoi ce monstre de malade? Oh là là. Il a intérêt à filer grave des thunes, lui. Oh. OMG. Comme c'est tellement la misère. On va prendre un barbare, ils ont beaucoup plus de vie, quoi. Est-ce que je peux m'augmenter un truc, là? Avec un peu d'argent. Magic damage up. Learn the secret of the universe so you can kill with spell better. On va augmenter l'attaque plutôt. Pour faire plus mal, pour one shot les mobs. Ce jeu de fifou. Allez, on va tenter de déployer un skill de gros ours. Ils sont même plus one shot les squelettes. T'as vu ce dash dans ta face, espèce de bâtard? D'où j'ai un barbare qui a 57 HP depuis quand? D'ailleurs j'avais un mec avec 500 HP et là maintenant j'ai rien quoi, j'ai de la merde. Oh c'est juste impossible à passer ce truc. Je vais pas faire de cette salle, c'est n'importe quoi, c'est du suicide. Et merde. Techno damage. C'est possible de faire ça? Ah mais il a dash dans le mauvais sens, n'importe quoi. C'est sympa tout ça mais c'est quasi impossible. Si t'as pas les bons... Merde putain. J'aurais pas dû sauter. Si t'as pas les bons spells, tu peux pas passer ce truc. Le paladin. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai que c'est RT et Ergo... Ah oui, c'est vrai que j'ai complètement zappé. C'est vrai qu'il faut utiliser l'autre gâchette après. J'ai même pas assez d'argent pour upgrade quoi que ce soit. Il manquait une pièce pour upgrade quoi que ce soit. Un truc, quoi. Eh ben non. Il est vraiment sympa comme jeu, je sais pas ce que vous en pensez. Ah oh, c'est bon, c'est évident en fait.
Ah, mais comme par hasard, je suis obligé de sauter et me prendre ces trucs de merde là. Allez, crève-toi. Ah, oh, comme je t'ai feinté, bâtard. T'as des nerfs là, hein. Tu te sens faible maintenant, espèce de fantôme pourri. Ok, ça c'est fait. Ah là là, concentré là. Putain, je pars complètement au hasard. Voilà, c'est fait. Faut vraiment rester concentré en fait quand vous jouez, c'est tout. Le paladin par contre a beaucoup de vie, merde. Oh my god. De l'autre côté! Maintenant, pour l'instant, si je veux aller loin, il faut absolument que je joue le paladin, j'ai pas d'autre choix. Allez, là, je sais pas mal, je suis pas trop mal là. Ce run. Ah putain, j'ai frappé au mauvais moment. Il ne lésine pas sur la difficulté, ça vous pouvez me croire. Je me demande s'il n'y a pas un petit passage secret ici, non même pas. Oh merde, j'avais oublié qu'il en envoyait 3 à la suite. Ah merde, quel con, je fais n'importe quoi. Il y a un coffre là-bas en plus. Merde. Voilà. Yeah, de l'argent. 360, on va peut-être pouvoir s'acheter un truc avant de... quand on repartira d'ici. Take no damage. Oh bah là c'était impossible, il aurait fallu arriver à monter en même temps. Dommage, j'aurais peut-être pu avoir un coffre légendaire et tout. Ça traverse depuis quand ces trucs là? No. Bon là j'ai tué pas mal de monstres. Dun 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 dun. Le palouf, on a dit comme d'hab. 370. Est-ce que j'augmente les dommages? Est-ce que j'augmente la vie? Je vais augmenter la vie encore. Ah, bref, reprenons. Oh, le dash de Fifou! Oh, putain. Oh, putain. Ah, ça y est, c'est bon. Parfait. J'étais en forme sur ce coup-là. Ah yes, un coffre. Nickel. Oh là, elle va arrêter de me suivre là, la bouboule.
le sens bien ce petit run, je la sens bien. Ah! Allez, on va tester son coup du... des fucking haches. Ah, il m'en restait 13, fuck off! Dommage, j'aurais bien voulu gagner le prix. Ah ah, je me suis fait troll, la bouteille de mana est tombée de l'autre côté! Ah, les enculés! Je peux pas dash, je peux pas sauter plus haut, merde. Je l'ai dans l'os. Ah si, en passant par là en fait. Le château ressemble étrangement à un château que j'ai déjà fait tout à l'heure. Du moins dans la disposition de cette salle là. Ah merde, je me suis fait troll, encore une fois. Le troll absolu de ce jeu. Ah putain, par contre, ils donnent de l'argent. Eh, je suis passé à 930, les mecs, c'est abusé, là. Comment ça se fait que j'ai gagné autant de thunes? Trop d'argent, là. Je suis riche, là, je vais pouvoir m'acheter trop de trucs. Tu m'as pris pour qui, tableau de merde? Je suis le chevalier musique. Sans foi ni là. En prenant un téléporteur, est-ce qu'on peut revenir au... Oh putain, j'aime pas ça, ça va être trop chaud ça. Par contre, je peux faire grave la race de thunes ici. Oh là là, ils ont trop de vie, ils ont trop de vie. Mais ils sont level 35 les mobs. Par contre ils filent grave des thunes quoi. Regardez-moi ça un peu ce qu'ils filent comme thunes. Ah du coup je suis mort. Mais c'est pas grave, je suis riche. Oh, il faut que je prenne du palouf encore, hein, j'ai pas le choix. Bon alors là, on va s'amuser, on va débloquer une nouvelle classe, le Shinobit. Il est super rapide, c'est un guerrier dangereux, enfin mortel, qui a un super bandeau frontal, ils disent. Ils peuvent pas beaucoup se faire toucher, mais ils font super mal en même temps aussi, donc en fait, si vous gérez, c'est super bien le Shinobi. Ah, on peut avoir des taux de critique là, par contre, c'est pas mal ça. C'est quoi ce truc, Haggle Lower Sharon's Toll by Learning How to Bar? Ah, on peut les rendre moins puissants les ennemis ici. Est-ce qu'on peut upgrade ici? On peut upgrade le mage aussi si on a envie. On peut débloquer le mineur. Il y a de ces vieux trucs.
On a des nouvelles classes, c'est plutôt pas mal. Oh là, j'ai un géant là en fait. C'est vrai qu'il vaut mieux que je reste dans le castle pour l'instant. Mais je ferai gaffe la prochaine fois. Enfin, par contre, les géants pour prendre des coups, ça va être horrible. Hein. Parce qu'ils ont une plus grosse hitbox, je pense. Du coup, on gagne en portée, mais... pratique contre ce genre de mob là, mais putain, il a eu le temps de me toucher quoi. Oh lolol, oh lolol. Y aurait-il un passage secret par là? Que nenni. Oh shit, j'avais zappé ça. Oh my god. Oh my god. En plus on peut même pas se baisser quoi en fait. Donc ce genre de mobs là on peut pas les éviter. Enfin on est géant. Oh les trucs qui viennent d'en bas quoi, les trucs de flamme. Oh my god. Oh my god. Oh c'est horrible. Ah oh, yes, double. Alors là il y a de nouveau le boss c'est vrai, mais double coffre ici. Un nouveau journal. J'ai payé mes dettes et je suis entré dans le château. Le démon Charon a pris tout comme paiement et a pillé mes coffres privés. J'ai laissé ma femme et mes enfants avec rien du tout. Il a dit que c'était le prix pour tout ce que j'allais pouvoir prendre... non, pour tous ceux qui se... hasardent dans les profondeurs du château. Et a dit que c'était... Que c'était juste. C'est juste parce que... tous ceux qui sont entrés ne sont jamais revenus. Mais je changerai ça. Je serai victorieux. Il n'y a pas de plus grand épéiste que moi. À travers tous les siblings, je sais plus ce que c'est, mais... Les royaumes, peut-être. Enfin, en gros, c'est à peu près ce qu'il voulait dire. Ouais, en fait, du coup, on va pas rester là. On va continuer dans le château un peu plus loin. Ah, bon au moins ça me ramène sur le... Ah putain, il y a les mobs qui me chopent de partout là. J'étais bloqué là, je pouvais rien faire. Je suis à combien de descendance? Je sais pas, je dois être très 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 loin. Est-ce qu'on peut voir le chiffre? Ah, c'est là en fait, on peut voir tous les gens qu'on a joué en fait. Putain, j'en ai un paquet. Hein. On peut voir l'arbre de famille, elle. J'en ai un petit paquet déjà. Tiens, un shinobi. Est-ce qu'on teste un shinobi ou pas? On va tester un shinobi, allez. Je sais pas du tout quoi augmenter maintenant. Ah, il faudrait que je chope habité à sauter plus haut en fait déjà. C'est 350 je crois. Donc du coup on va up la mana ou alors ça.
peut faire un double saut en fait, c'est ça? Merde. Non, je suis censé pouvoir faire un double saut normalement. C'était wall jump, hein, je sais pas trop.